Vous l'avez probablement oublié, mais les mots sont magiques. D'une certaine façon, ils peuvent influencer la façon dont nous percevons le monde. Ce gentil petit chien peut tout d'un coup nous apparaître comme étant méchant, simplement avec une pancarte et quelques mots. Cependant, les mots ne nous racontent pas toujours la vérité. Notre cerveau nous ment. Souvent. Très souvent même. Notre cerveau, nous, utilisons des mots qui nous emprisonnent, qui nous maintiennent dans certaines conceptions, dans certaines idées. Vous connaissez probablement très bien ces mots qui nous emprisonnent. Probablement parce que nous les utilisons tous les jours. Les « je dois être fort » ou « je ne dois pas être triste » ou « il faut obéir ». Encore, je ne peux pas me tromper. Il y en a d'autres, c'est toujours la même chose, où je ne serai jamais heureux, où il est impossible d'y arriver. Ces mots vous rappellent quelque chose? Ou encore, ce qui m'arrive, c'est juste ou c'est injuste. D'une certaine façon, c'est bien de faire passer les autres avant moi, ou c'est vraiment mal de se faire du bien. N'oublions pas aussi les « tout le monde préfère les blondes » ou encore « personne ne s'intéresse à ce que je fais » ou encore « j'ai vraiment envie de lui parler mais je n'oserai jamais ». Ces mots, ces phrases reviennent souvent. Nous pouvons écouter ces pensées, ou pas. C'est notre choix. Bien sûr, peut-être qu'elles nous racontent la vérité, ces pensées, peut-être. Il faut toujours croire qu'on ne peut pas faire autrement. Personne n'y arrive, c'est impossible. Peut-être pas. Ou peut-être que ce ne sont que des pensées, que des histoires. Un peu comme celle-ci qui passe, je ne vais pas y arriver, ou celle qui vous dit en même temps, ça ne peut pas être si facile. Et pourtant. Quand vous dites « je suis triste », êtes-vous une personne triste? Ou ressentez-vous à ce moment-là un sentiment de tristesse? Ou encore quand vous vous dites « je suis nul », êtes-vous nul en tout et tout le temps? Ou avez-vous plutôt des progrès à faire dans ce que vous venez de rater? Ce n'est pas la même chose. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, cependant. Essayez.